Bienvenue mes amis. Alors, dans ce tuto, on va voir comment installer Packet Tracer sous GNS3. Premièrement, vous verrez directement là, le setup il est ici. Vous le voyez très bien, je veux le publier pour vous montrer directement là où vous pouvez prendre les informations. Nous sommes énormément nombreux ici. Vous verrez directement ici, récupérer le fichier. Je vais vous montrer automatiquement aussi le code qui va vous permettre à entrer à Google Classroom, c'est celui-là. Vous prendrez le lien de ce fameux code, vous le collez directement là où il y a un code, vous verrez que vous entrez automatiquement dans la partie pratique de notre salle Youssouf. Vous venez ici là. Au moment que c'est déjà téléchargé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez directement vous connecter ici. Et vous allez au téléchargement, ce que vous voyez ici. Alors, on nettoie d'abord tout. On va faire ls. Vous pouvez voir directement que Packet Tracer est bel et bien là. Qu'est-ce que vous allez faire avant tout? Vous avez tapé directement show mode. Et puis, soit vous pouvez mettre plus x ou bien vous pouvez mettre tout simplement 775. Et là, vous mettez Packet Tracer. Là, dès que vous tapez comme ça, là, c'est la même chose. Il suffit de valider. Là, il le donne directement le droit d'être exécuté, de faire de modifications et de tout le tralala. Et là, vous allez utiliser votre fameuse souris tout simplement et aller au Packet Tracer. Vous allez cliquer le logiciel en tant que tel. Et dès que vous le cliquez, il va s'ouvrir automatiquement ici. C'est-à-dire dans le fameux store, hein, il va s'ouvrir ici automatiquement que vous devrez directement le télécharger. Vous mettez votre fameuse mot de passe. Moi, je l'ai déjà fait, mais si je clique par exemple là, qu'est-ce qu'il pouvait directement m'amener? Il pouvait directement m'amener automatiquement là. Alors, dans ce cas-là, vous installez votre logiciel et dès que le logiciel c'est terminé, vous pouvez le voir directement dans votre système. Ça se trouve bel et bien là. Et vous le voyez, il est ici. Ici, si vous regardez très bien, il va directement vous indiquer de installer. Mais moi, je l'ai déjà installé. Et là, c'est installé avec tous les packages selon lesquels ça doit être. Et bien, si vous voulez l'installer autrement, ça peut vous prendre du temps, aller chercher les packages et tout ça pour le mettre là-dedans. Alors, le Packet Tracer est déjà installé et tout est sur place. Il faut savoir directement que celui-ci, parfois, ça va vous demander de vous connecter. Alors, dans ce cas-là, il suffit directement d'ajouter votre adresse email, Gmail et votre fameux mot de passe. Là, tout le tour est joué. Et là, vous pouvez travailler facilement avec votre fameuse quoi déjà, avec votre fameuse ordinateur. Et si vous regardez ici, le Packet Tracer en ce moment, il commence directement à grandir avec d'autres extensions et tout ça. Et là, ça commence à devenir très bien. Et là, vous pouvez travailler. Et tout simplement, c'est la vidéo que je voulais vous faire d'une manière très simple. Au lieu de circuler à gauche, à droite à chercher le fichier, il suffit de venir ici, prendre directement le fichier Packet Tracer et aller le installer dans votre système. Alors, c'est tout dans ce vidéo. J'espère que le contenu vous a été plu. Et de vous... N'hésitez pas à nous contacter, on a déjà fait un tuto sur la sécurité et tout votre renseignement, nous sommes aptes de vous écouter. Merci, à très bientôt.